Eh bien salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur WWE 2K17. Et avant de commencer cette vidéo, j'ai quand même quelques petits trucs à vous dire. J'ai quand même deux bonnes nouvelles et une mauvaise nouvelle. Donc on va commencer une sur deux des bonnes nouvelles. Donc en premier, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Attention, le mode univers est de retour. Voilà, c'était la bonne nouvelle. Allez, salut. Oui, donc j'avais fait une petite pause sur mode univers. Oui, j'ai fait que deux vidéos. Mais c'est parce qu'en fait j'attendais l'arrivée du patch 1.02. Et du coup il est arrivé. Donc je peux le faire, hein. Je peux faire du mode univers, c'est parti. Alors ensuite je vais vous parler de la mauvaise nouvelle, parce que la bonne nouvelle la suit. Donc c'est normal que je commence, enfin je termine par la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle c'est que malheureusement, comme vous l'entendez, je n'ai toujours pas de casque et je filme toujours avec mon téléphone. Donc j'essaye un petit peu au montage d'avoir un meilleur rendu. Mais franchement, je vous conseille d'écouter cette vidéo en casque ou écouteur, hein, sinon c'est dégueulasse. Et ensuite, la bonne nouvelle, c'est que je vais bientôt avoir un casque comme avant, où la qualité était vraiment bien. Je vais prendre à peu près le même, comme ça au moins je suis sûr qu'il n'y a pas de problème au niveau de la qualité, parce que j'en ai acheté un. Oui, j'en ai acheté un casque. Mais la qualité, ça grésille, ça sature. Merci Amazon, 30 boules pour avoir un micro qui sature, excuse-moi, mais bon. Je vais le renvoyer, je vais acheter un autre. Parce que franchement, j'achète que les Turtle Beach, donc je me suis dit, allez, on va en acheter encore un. Et ben, j'aurais pas dû. Et ben, j'aurais dû prendre comme avant. Et ben, là, je vais commander un comme avant. Normalement, la semaine prochaine, ça devrait être bon. Normalement. Allez, c'est parti, mode univers. Donc, comme je vous avais dit la dernière fois, donc on en est là. Donc, on est dans le mois qui va arriver, Extreme Rules. Et comme je vous ai déjà dit, en fait, il y a que une vidéo. En fait, Raw, je l'ai filmé. Voilà, le Raw qui est ici, je l'ai filmé. Mais il y a un décalage de taré qu'on peut pas résoudre en fait. Donc du coup, j'étais obligé d'abandonner la mise en ligne de cette vidéo. Et c'est pour ça qu'il y a que sur ma chaîne, il y a que SmackDown après l'épisode de draft. Il y a que SmackDown. Mais là, bien sûr, on arrive à Raw, c'est parti. Normalement, il n'y a aucun problème. Donc on a terminé SmackDown. Donc voilà, les petits matchs. C'est parti. Tous les matchs de la soirée sont terminés. Voulez-vous passer l'événement suivant? C'est parti. Oui, je veux passer à l'événement suivant. Donc je ne sais pas combien cette série va durer, mais le plus longtemps possible, je l'espère. Ouh là là, attention, il y a des tenues bizarres. Donc oui, si vous voyez des tenues bizarres, c'est moi qui les a créées en fait. Donc alors, promo. Ouh là, Sting Chupol. Alors déjà, le match de Dan. Titus O'Neil, Zack Ryder, Christian, Roman Reigns. Donc comme je vous ai déjà dit, je vais faire que les rivalités, malheureusement, je suis obligé. Donc oui, est-ce que j'ai vu un commentaire auquel il aime pas quand je mets les anciennes superstars. Mais franchement, j'ai pas envie de faire comme l'univers de la WWE qui se passe en ce moment. Tu vois, j'aimerais changer, voir un peu plus de nouveautés sur ma chaîne, parce que tout le temps voir les mêmes personnes, tu vois, c'est un peu chiant de voir tout le temps The Shield par exemple. Et bah voilà. What? Ah, c'est un fatal foyer, j'ai eu peur. Alors c'est parti, commencer un show. On fait bien sûr que les petits trucs avec un petit R qui veut dire rivalité. On se retrouve tout de suite, petite éclipse. Allez, c'est parti, WWE Monday Night. Wow. Donc vous inquiétez pas, comme je l'ai dit, là on en est qu'à Extreme Rules, mais bientôt je changerai les arènes avec les nouvelles arènes, pardon. Et au niveau aussi de SmackDown, je mettrai les nouvelles arènes. Mais pour le moment, j'ai bien envie de faire, de rester avec avec les anciens. Voilà, après on verra plus tard. Autant faire, tu sais, comme si le draft allait bientôt se passer. Mais bon, là j'ai fait le draft avant, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Et c'est parti, on va faire notre premier truc. Donc je sais pas si la promo c'est Daniel Bryan. C'est avec un R. Oui, c'est avec un R. Donc on va faire la promo. Bon, malheureusement, on fera pas ce match. On fera ce match. Donc on a deux trucs. Un troisième match et un quatrième match. Ok. Ah ouais, ça s'annonce du lourd, hein. Allez, c'est parti, on commence avec la promo de Daniel Bryan, let's go. Allez, petite éclipse, parce que vous savez très bien qu'il y a un petit chargement, et on se retrouve tout de suite. Allez, de retour. Yes, Daniel Bryan is here. Eh ouais, le meilleur. Est-ce qu'on reverra Daniel Bryan catcher? Peut-être face à demi, on ne sait pas. Hein, on ne sait pas. Alors pour le moment, il est sur le ring de la WWE 2K17. Ouais, c'est parti, qu'est-ce qu'on va dire? Passons les aménités. Vous sentez une vibration? Alors attendez, je vais faire.
Ah voilà, je vais vous sentez mes vibrations. Attention, c'est parti. Univers WWE, vous sentez mes vibrations? Parce que moi, je sens vibrer toute votre énergie. Chaque semaine, vous rechargez mes batteries. C'est trop bon, un vrai coup de fouet. Si quelqu'un à la WWE dit ça dans la réalité, on n'est pas dans la merde. Ah merde, je l'ai fait passer dans le rouge. Bon, je vais essayer de me rattraper. Alors, j'ai pas vu mon nom de voir ce nom, je suis pas bien par là. Mon heure de gloire a sonné. On peut passer toute sa vie à attendre son tour ou décider d'être un homme et saisir sa chance. Et c'est ce que je vais faire. J'en ai ma claque d'attendre que mon heure vienne. J'en ai ma claque de laisser toutes les occasions à la WWE me filer entre les doigts. Donc que vous le public qui est complètement complètement con, j'ai envie de te dire, il est en train de dire shut your mouth, le public. Donc, mais je l'ai fait venir dans le rouge, mais je pensais pas, tu vois, qu'il serait dans le rouge. Bon, ça c'est chiant. The Authority ne m'en croit pas digne. Voilà, c'est très bien. The Authority ne semble pas me trouver digne du WWE Championship parce que je refuse les règles établies. Eh bien, s'il faut suivre les règles pour avancer, alors je préfère rester où je suis. Je ne plierai jamais au bon vouloir de quelqu'un d'autre. Alors le mec, il attaque direct l'autorité. Le mec, il a pas que ça à foutre. Allez, on peut passer, parce que le temps que ça se termine. Triple H a une épine dans le pied, je suis le pack. Triple H a une épine là. On s'attaque un petit peu à Triple H. Pour ceux qui pensent que je le mérite pas, je vous le prouverai lors de mon match sur ce ring. De mon prochain match sur ce ring. Et après, et encore après, vous avez compris. C'est ce que je fais depuis mes débuts à la WWE et c'est ce que je continuerai de faire. Mais je vous préviens, Zoto Witty, si vous ne me donnez pas ce que j'attends, Triple H aura une grosse épine dans le pied. Et cette fois, elle s'appellera pas Stéphanie. Ah, le mec il plaisante avec ça, tu vas voir. Triple H il va venir, il va me dégommer. Vous êtes un public d'enfer. Vous êtes un public d'enfer, je lâcherai rien. J'essaie d'oublier que je suis ici, je passe vite. Vous êtes un public d'enfer. Et je crois pas déjà rencontrer un public aussi génial que vous. Je suis comblé, je suis venu vous parler, vous m'avez écouté sans broncher. J'aurais pas pu espérer meilleur public que vous. Merci, WWE Universe. Voilà, Daniel Bryan, sa petite promo. Parce que je crois qu'il est en rivalité, mais je sais plus contre qui. On verra. Hein. Parce que là, je sais plus si c'est Christian ou si c'est quelqu'un d'autre, je sais pas, on verra. Parce que je pense pas avoir fait dans un titre Daniel Bryan. À moins que le titre de la WWE, ouais, je sais pas. Bon, on verra. Sting vs Triple H. Bon, bien sûr, on simule. Le gagnant, c'est Sting. Titusson Hill, Zack Ryder. Le gagnant, c'est Zack Ryder. Christian contre Roman Reigns. C'est parti. Je contrôle. Alors, attendez, parce que Christian, quand même. Bon, allez. Je contrôle Christian. Comme ça, au moins, ça montre une petite preuve qu'il va s'attaquer au champion. Je crois qu'il est champion des États-Unis, Christian. Allez, petite éclipse. On se retrouve tout de suite. Allez, on est de retour à WWE Monday Night Raw. On accueille en premier la première superstar à voir, je ne sais quoi. Hein, il a certainement fait quelque chose dans sa carrière. On l'a pas vu depuis très longtemps. The Captain Christmas. Christian. Donc j'en profite qu'on est pour les entrées. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Franchement, j'ai du 2K17 en 100%, hein, permanent, on va dire. N'hésitez pas à partager cette vidéo, c'est vraiment très important. Et n'hésite pas surtout à commenter, à donner tes impressions en commentaire. Ça m'aiderait beaucoup pour la suite. Et franchement, ce serait génial de votre part. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Facebook, Twitter. J'annonce tout le temps quand une vidéo est sortie, au cas où que bah, voilà, vous n'êtes pas sur YouTube au bon moment, quoi. Allez, Christian. Allez, c'est bon, on peut passer. Maintenant, on va faire place à The Guy. He's not a bad guy. He's not a good guy. He's just the guy. Je crois que ça se dit comme ça. Je suis pas sûr. Regardez la tenue de WrestleMania 32. Roman Reigns, son entrée est juste magnifique. Woman, Wayne, Superman Punch. C'est magnifique. Allez, on peut passer, c'est bon. On a vu un quart de son entrée, ça passe. On la connaît tous, j'ai envie de te dire. Ah, ça c'est sympa. Parce qu'en fait, les scénarios avant comme ça,
Et bien, pourquoi il a cette musique, le Sèvres? Ah, c'est dégueulasse. Il a même pas sa vraie musique, putain. Ah, je suis dégoûté. Tu vois, avant, il y avait directement le scénario, en fait, de ça. Il montrait pas les... Les entrées. Et ça, c'est classe. Alors, on voit que la chaise aussi a été résolue, parce que la chaise... Il y en avait deux, hein. Il y en avait une vide, hein, et une de l'autre côté. Allez. Ah, ça, j'aime bien ces petites prises, là. Hop. On retourne moment loin, tranquillement. Allez, coup de poing dans ta gueule. Ah, c'est bon, je commence violemment. Allez, attention par-dessus la troisième corde. Captain Charisma. On peut pas faire un petit salto, là? Oui, il peut. Oh, comment il s'est projeté. On peut pas aller vers Rousseff, d'accord. Allez, ça dégage. Tu vas te calmer, Jean-Louis. Tiens, une droite, ça dégage. Je te ramène dans le ring. Allez, on monte sur la troisième corde. On est des tarés. Attention, Roman Reigns, attention. Ah ouais. Eh ben, j'ai usé de la voix pour rien, j'ai envie de te dire. Allez. Ouh, il va se calmer, Roman. Le mec, il me court comme ça. Ah, mais là, je suis pas d'accord. Allez, je te rencontre. Tranquillement, toi-même tu sais. Attention. Allez, ça dégage. Allez, une gifle. Attention, projection. Le mec m'a contré. Putain, il a que ça à foutre. Le mec fait que me contrer. Allez. Y'a pas que toi qui peux contrer, hein. Faut réfléchir à tout ça, Roman. Allez, ça dégage. Dans les barrières, attends. Eh non, mais par contre, va falloir m'arrêter, hein. Ah bah ouais, j'ai plus de con, tu m'étonnes qu'il m'a. Pas contre son culé. Mais. Ah, il dégage, bâtard. Ah putain, non mais je vous assure, le patch, il rajoute des bugs. Il en enlève pas en fait. Hein. C'est ça le truc. Putain, ils savent rien faire. Hein. Et Touquet, allez, je vais rien dire parce que. Ah non, mais des fois, comment t'as envie de rager, c'est un peu... Regardez, il bouge même pas. En fait, ce que je peux dire là, je suis un peu dans la merde. Parce que l'arbitre ne bouge pas, comment je vais faire un tombé? Donc ça veut dire... Et si j'utilise la chaise, là, je fais ça. Ah ouais, d'accord, bah oui, il me voit pas. Sinon, comment dire... Des fois, t'as pas envie de retourner sur tout qu'est-ce. Bon, bah je crois qu'il y a un seul moyen, on va faire le match suivant. Hein. On va pas le faire ce match. Hein. Ah, par contre, je le recommence pas, hein, ça c'est clair. Je pense qu'on m'a assez pris pour un con. Attention, Captain Charisma, il est tombé. Il ne sert strictement rien. Et si je donne un coup de thé de chaise à l'arbitre, là. Et l'arbitre. Tiens. Ça prendra, connard. Et regardez, le match se termine pas. C'est... comment dire. Ah si, c'est bon, il se termine. Voilà. Bon, je pense que c'était la seule chose de bien à faire. Parce que, hein, Touquet. Si vous m'écoutez... Je parle pas de Touquet France, hein. Je parle de Touquet des Anglais. Si vous m'écoutez, eh ben vous allez vous faire voir. Surtout les développeurs, allez vous faire voir. Apprenez à faire un jeu sérieux. Ça, c'est quasi injouable. Comment tu veux jouer? Non mais attendez, c'est quand même hallucinant. Ils rajoutent des bugs grâce à un patch. Hein. C'est, faut quand même la faire celle-là. Hein. On va pas s'énerver. On est là tranquille, on fait une petite vidéo, il nous reste à peu. Dommage, je crois. Voilà. Fin de bonheur quant à le plateau d'El Rio. En espérant qu'il n'y a pas des bugs, parce qu'il y a déjà eu des bugs. Bah, qui aurait Rousseff, en fait, encore dans le match. Alors que c'était un autre match, en fait, ça ne concernait pas. Donc, espérons, bien sûr. Je compte pas Fin de bonheur. Donc, petite éclipse. Et on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. Allez, on est là. Fin de bonheur. Alberto d'El Rio.
Ah, c'est son entrée solo. Et franchement, elle est classe, l'entrée solo de. Enfin, l'entrée. L'entrée, pas Demon, hein, pas le démon, mais le normal. Elle est vraiment classe. Avec sa veste et tout, c'est classe, je trouve. Ah, j'adore cette entrée. Elle est magnifique! Allez, on passe, hein, si tu veux voir l'entrée au complet, tu vas sur YouTube, tu marques Finn Balor entrée et tu l'as direct. Ah bah Todd, oui, oh, il est là. El Patron, malheureusement, il n'est pas à la WWE, il est parti de la WWE. Il a eu quelques ennuis avec la WWE, certainement avec Triple H. Allez, on va se battre parce qu'on est des tarés. Alors, je sais pas pourquoi je suis parti par là. Hein. Je voulais prendre la chaise dans ce... En fait, je veux pas être disqualifié en fait. Allez, c'est parti! Fais une balle! Alberto Del Rio! Allez! Ça dégage dans l'abdomen! Oh, il va se calmer. Alberto Del Rio, direct, le mec me contre. Ça, j'aime pas ça, moi. Tiens, allez, hop, je te recontre. Ça dégage. Hop, une droite. Un coup dans l'abdomen, une droite. Un coup dans l'abdomen, un coup de pied, putain. Vous vous rendez compte comment je galère à dire un mot pied? Enfin, le mot pied. C'est dingue, hein? Non mais plus je parle vite, moins... Enfin, plus je parle vite, plus c'est la merde en fait. Voilà, c'est un peu la merde dans ma voix quoi. J'ai hâte de 2K18 avec les nouvelles arènes. Vous pouvez pas savoir mais j'ai tellement hâte. Allez, back souplex, ça dégage. Et vous savez quoi? Le prochain pay-per-view, ça s'appelle pas Extreme Rules. Pourquoi je peux pas prendre l'escalier? Mais là c'est terminé. Hein. Là, comment il s'appelle? Alberto Del Rio, il aurait pas dû me chercher. What? Hop, oh, j'ai contré avec tes conneries. Bon, ah, cette petite plan de caméra est vraiment génial. Alors, attendez, faut que je le compte. Hop, c'est. Comment ça trop tôt? Il se fout de ma gueule ce jeu. Ah non mais. Sur ce jeu, putain, les coups et prises au sol, c'est impressionnant comment tu peux pas les contrer. C'est comment dire, c'est hallucinant. Hein. Même quand tu mets à fond la vitesse du temps, mais c'est n'importe quoi. Alors, attendez, je vais utiliser les cordes. Je peux pas utiliser les cordes, mon frère. Allez hop, ça dégage. Attends, pas pour une fois, j'ai pas 10 coups spéciaux, c'est pas mal. Attention, Finn Balor. Il l'amène. Attention, Finn Balor, à l'opposé du ring. Attention, le dropkick dans le coin. Ça va faire très très mal. Ça va faire très très mal, ça. Là, je vais pas faire le. Arrête de courir. Je vais pas faire le finisher. Je vais faire. Voilà. Il va se lever. Et je vais faire un petit coup à la volée. Attention, dropkick. C'est pas ça que je vais faire, c'est pas grave. Maintenant, on monte sur la troisième corde. Non, on ne fait toujours pas le finisher. Pourquoi? Pourquoi pas le splash de Finn Balor? Tombé 1, 2. Ah, le bâtard, il a le coup spécial. Ne vous inquiétez pas, il va pas aller loin avec moi. Attention, on reprojecte. Dans les peurs. Oh, ça dégage. Maintenant, c'est l'heure. It's time to finish the match. C'est terminé pour Alberto Del Rio, coup de grâce! J'ai pas fait de tomber, putain, comme un con. Allez, c'est terminé! Le tomber, l'arbitre! 1, 2, 3, victoire le film! Valor! Ah, bah enfin une victoire! Ah, petit scénario. Attention, quand il n'y a pas le replay, hein, il y a un scénario. Ah, il va tenter le petit amitié. Oh, j'aurais pas aimé. Alors, tu vas te faire déglinguer Extreme Rules, toi. Allez, c'est bon. Ok, match sortir. Parce que sinon, si on fait match suivant, en fait, eh ben, on va faire un match qui n'est pas en rivalité. Et c'est pas notre but. Allez, Dean Ambrose against Edge. C'est parti.
Je sens que c'est un match de taré. Et qui vais-je contrôler? Pas Dean Ambrose. Je vais contrôler The Way It All Superstar Age. Donc on se quitte Eclipse, on se retrouve d'entrée. Allez, c'est parti. Et de retour aux entrées, on accueille en premier The Lunatic French, le fou furieux Dean Ambrose. Il est WWE World Heavyweight Champion. Merde, je vais quand même gagner avec Edge alors qu'il est champion, mais c'est pas vrai. C'est moi qui a fait sa tenue, vous inquiétez pas. Je la trouve stylée. Ouais, je la trouve stylée, c'est pour ça que je l'ai fait, comme j'allais dire. The Way It All Superstar va faire place à WWE Monday Night Raw. Donc je l'avais déjà contrôlé à Raw, mais vu que j'ai pas mis la vidéo en ligne, vous n'avez pas pu voir. Mais on va faire gagner quand même Edge, comme ça il aura une chance pour récupérer le WWE World Heavyweight Champion. Est-ce qu'il sera au match Extreme Rules contre Dean Ambrose? C'est un taré, The Way It All Superstar Edge. Le meilleur, malheureusement, il a pris sa retraite. Et moi j'en ai rien à foutre, je cache direct. Vas-y, viens. Hop, coup de corde à l'un sur Dean Ambrose. Moi je cherche plus à comprendre, j'attaque direct. Je me suis assez fait humilier comme ça par vous les ordinateurs qui sont derrière votre derrière votre jeu là. On va te dire, il n'y a personne, hein, c'est juste des bots. C'est pas grave, attention, Edge. Ouh, le spear, ouh, ça a dû dégommer ça. Et ouais, c'est un taré, The Way It All. Attention, un bâtard. Oh le bâtard. Allez, je te contre, mon gars. Ça dégage. Et ouais, le public, il me scande. Je suis le meilleur. Ouh, ce qu'il a mis. Ah voilà. On va enfin enlever cette veste. C'est parti, le match va pouvoir enfin commencer. Et le mec m'a rien fait. Hein. Je n'ai même pas un grain à part maintenant. Un grain de santé en moins par maintenant. Alors attendez. Donc cette tenue de Dean Ambrose, elle existe en vrai. Hein. Il l'a déjà porté, mais seulement à WWE Live Events. Hop. On l'amène dans la troisième corde. Attends. Je te contre encore. Je suis le meilleur, Dean Ambrose. Tu me fais pas peur, même si t'es champion. Allez, je te lève tranquillement. Attention. Oh, ça dégomme. Ça dégomme énormément. Il l'avait en coup spécial avant. C'est terminé au coup spécial, putain. C'est parti, Edge, c'est fini. Spear de The Way It All Superstar Edge. C'est fini, Edge, le tombé. 1, 2 et 3. Victoire de Edge qui se qualifie. Oui, vous avez bien entendu. Peut-être que dans le mode univers, il n'y a pas de qualification. Mais moi, je le qualifie moi. Regardez ce jeu de merde. Regardez, pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? J'ai pété un câble. Pourquoi il fait... Regardez, il a même l'ancien titre, putain. Ah, c'est Daniel Bryan qui est en rivalité? Oh, j'aime bien comment il porte sa ceinture. Mais j'en ai rien à foutre. Parce qu'en fait, de base, parce que vu que c'est en rivalité, le jeu, il prend pas en compte que c'est Edge qui a fait sa victoire, tu vois. Et du coup, vu que dans toutes les logiques, ça serait Dean Ambrose qui doit gagner. Et ben non, en fait non, on peut pas faire perdre de champion quoi. Alors on est, c'est un peu con. C'est de la merde, voilà, on peut dire c'est de la merde. C'est de la grosse merde. Hein, Touquet? C'est de la merde. C'est pas grave. C'est pas de la merde. C'est pas de la merde, il y a des choses bien, il y a des choses pas bien. On peut pas dire que c'est de la merde. C'est pourquoi je dis que c'est de la merde. Parce que ça m'énerve sur le choc, tu vois, sur le début, sur le moment, tu vois. Mais c'est pas grave. Donc en rivalité, voilà, Dean Ambrose, Daniel Bryan, Extreme Rules. Plus The Way It All Superstar pour le WWE World Heavyweight Champion. En tout cas, j'espère que je m'en rappellerai. Voilà, donc on va regarder les news. Le challenger Daniel Bryan a adressé un message fort au champion Dean Ambrose en annonçant la fin de son règne. Il a juste regardé des yeux. On n'a pas vu dire quelque chose. Mais ça, c'est le jeu vidéo. Mais bon, j'ai l'impression que c'est le seul jeu
de tout qui est le moins fait, moins bien fait. C'est, je sais pas, c'est bizarre, j'ai l'impression que le jeu de catch il est toujours mal fait, je trouve, c'est bizarre. Alberto Guerrero n'a pas caché sa frustration après sa défaite contre Finn Balor à l'issue d'un match serré. Comment va-t-il réagir dans les semaines qui viennent? Ensuite, le match de Christian a pris une mauvaise tournure quand Rusev a essayé de jouer la carte psychologique en distrayant son adversaire. Donc on peut lire les 3 rivalités, c'est du chaud chaud chaud. Sachant que Rusev est champion, donc Rusev Christian et Finn Balor à Alberto Leo, c'est juste un match normal, hein, une petite rivalité. Donc voilà, c'est toujours Dean Ambrose, Rusev, Charlotte et The New Day avec la nouvelle tenue. The New Day, c'est moi qui l'ai faite. Elle n'est pas sur le Community Showcase, Creation, pardon. Et j'ai pas envie de le faire parce que ils sont pas trop bien faits en fait. C'est pour ça, c'est pas grave. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à me suivre sur Twitter et sur Facebook. Les liens sont en description. Moi, je vous dis à la fois prochaine. Et c'est tout. Voilà, tu te tais. Allez, ciao.